le mois de mars est un mois très dangereux. Je voulais dire à tout le monde, vous voyez, hier, quand nous sommes rentrés du culte, j'étais en train de prier. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, le mois de mars, c'est quoi? Quel est le sens de ce mois dans ma vie et dans la vie de nos enfants, dans le Seigneur? Et Dieu m'a donné une parole très puissante. Dieu m'a parlé de quelque chose de redoutable. Le Seigneur m'a dit que le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. Le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. Sous le thème, Seigneur, ôte la honte de ma vie. Seigneur, ôte la honte de ma vie. Dieu m'a dit que tout ce qui vous a mis dans la honte, toute situation qui a attiré la honte dans votre vie, le discrédit dans votre vie, la malchance, le désarroi, le mépris des hommes, cette situation sera ôtée ce mois dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le mois de mars, nous avons quatre dimanches puissants. Dimanche le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la Bire, à Yaoundé, nous aurons deux cultes. Premier culte, 7h, 10h. Deuxième culte, 10h, 13h. Tous les matins, les quatre grands dimanches du mois de mars. À Douala, ce sera à partir de 16h. Dès que je finis à Yaoundé, je suis à 16h pour les quatre dimanches du lavement des pieds. Donc nous allons commencer ce programme ce soir à partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet à Douala. Donc nous aurons le mois de mars comme un mois puissant, le mois du lavement des pieds pour toutes nos familles. Donc ne manque pas s'il te plaît. Donc viens laver tes malédictions, viens laver tes maladies, laver tes limitations, laver tes échecs dans la vie, laver tes frustrations, etc. Tout ce dont tu veux être séparé. Chaque fois que ton pied sera lavé, Dieu te séparera de cette chose-là qui te rend l'ombre de toi-même, qui t'empêche d'accomplir le dessein pour lequel le Seigneur t'a appelé. Vendredi le 26 mars, ce sera la nuit des flammes, baptisée la nuit où Dieu sépare son peuple de la honte, à partir de 21h à La Bire, à Yaoundé. Donc s'il vous plaît, habitants de Douala, ne manquez pas. Dimanche le 28, on a un dimanche de célébration. À Douala, ce sera le soir à partir de 16h. À Yaoundé, nous aurons deux cultes. Et ce sera un dimanche de séparation de la honte, dimanche de célébration de la délivrance de la honte. Avec le dernier lavement des pieds et la présentation des offrandes familiales à Dieu. À La Bible, ce sera de 7h, deux cultes, 7h, 10h et 10h, 13h. Donc, samedi le 27, nous aurons la conférence des bienfaiteurs à Yaoundé, 16h, 17h. Et la conférence de Joseph d'Arimathée, 17h, 18h. Donc ce sera la même chose à Douala. Donc on a quatre dimanches à Douala de lavement de pieds. Ce sera à partir de 16h, tous les quatre dimanches du mois de mars. Quelle que soit ta situation, viens te faire laver tes pieds. On va laver tes pieds. Le Seigneur va manifester sa gloire. Et la Bible dit quelque chose. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples et Dieu m'a dit, lave les pieds de mon peuple parce que voici le temps de la séparation de la honte. Comme tu viens, que le Seigneur te bénisse. La maladie là doit partir. Comment lave les pieds là? La souffrance de ta vie, la malchance, les limitations, les échecs, les pleurs, les maladies, les malédictions. Dieu va laver la honte du dessus de ta vie. Si tu manques ce programme, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Que le Seigneur te bénisse. On n'a jamais fait ça dans ce ministère. Quand Dieu me l'a dit hier, j'étais dans l'étonnement. Dieu m'a dit, lave le pied. Il y aura des bassines avec de l'eau. On prie sur l'eau. L'eau ointe. Et Dieu te sépare de la honte pour toujours. Tu entres dans une nouvelle saison. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom.